Oui les gens, c'est GueSshY, comment allez-vous les gars? Écoutez, moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui envoie de la patate, de la grosse pêche comme d'habitude. On est sur la chaîne de la ObsC Clan, donc ça me fait super plaisir d'effectuer mon premier commentaire sur cette chaîne. Donc avant de lancer le sujet, etc., je voudrais tout simplement remercier FuroX et WaRRoZ de m'avoir recruté en tant que commentateur. Donc merci à vous les gars, et j'espère repasser tout simplement d'une prochaine fois sur la chaîne. Donc ce qui va s'agir du sujet, donc je vais tout simplement me présenter en premier. Donc voilà, moi c'est GueSshY ou Esteban dans la vraie vie. J'ai 14 ans et j'habite en Corse. Donc voilà, et je suis à la fois player, commentateur et je fais un peu de miniature. Voilà, je vais faire une école peut-être de graphisme. Enfin bref, c'est pas trop le sujet les gars. On est là pour parler d'un camouflage réalisé au Paintshop de la part de WaRRoZ. Donc sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à aller checker. Donc c'est un camouflage tout simplement qu'il a réalisé avec le Paintshop. Donc voilà, il est vraiment en pot. Surtout n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le tuto. Donc voilà, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo hein, si vous voulez voir le tuto, voilà, pour faire tout simplement ce camouflage, le réaliser pour l'avoir. Donc il a été réalisé sur une manoir, je trouve un peu dommage parce qu'on le voit pas beaucoup, il est pas vraiment mis en avant, tu vois, sur une M8 ou une arme, où ça prend bien toute l'arme, enfin voilà, où ça, le camouflage recouvre complètement l'arme quasiment. Ça aurait été un peu mieux, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très important. Donc le gameplay les gars, je pense que voilà, vous l'avez vu, c'est pas un gameplay de fou, c'est pas une trip nucléaire, une quad nucléaire ou quoi, c'est juste une petite vidéo pour vous parler tout simplement de ce camouflage, et surtout si vous voulez le réaliser en online quoi, en multijoueur. Donc voilà, c'était GueSshY, j'espère que le petit commentaire vite fait vous aura plu, surtout restez à la fin jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le tuto en accéléré. Donc voilà, à la prochaine et j'espère de recommenter sur la ObsC Clan. Ciao.